Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spécialement dédiée à vous les femmes. Je vais vous présenter des exercices pour pouvoir muscler votre poitrine. Donc des exercices que vous allez pouvoir faire en salle de sport, ça c'est sûr, et aussi à la maison, puisqu'on va rester sur des trucs assez simples, puisque vous allez comprendre que votre but à vous, c'est de choisir des exercices vraiment complets qui va pouvoir vous permettre de muscler votre poitrine. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc si ça vous a plu, donc même au final, ça peut être une vidéo regardée par les mecs, hein, s'ils veulent un peu apprendre, parce qu'au final, c'est pas si différent. Vous pouvez mettre un j'aime, donc vous pouvez le mettre dès maintenant, mettre un commentaire sur comment vous avez trouvé cette vidéo, si vous n'avez pas aimé, et aussi des idées de vidéos, si vous voulez, et surtout à vous abonner, c'est une vidéo par jour pour pouvoir vous aider à vous transformer physiquement. Et si vous voulez recevoir votre pack de formation des super humains, donc la communauté des super humains, donc qu'est-ce que c'est concrètement un super humain? C'est devenir plus musclé, plus souple, plus endurant, plus sec et avoir un mental de numéro un, de leader pour garder et être toujours motivé. Donc si ça t'intéresse de pouvoir commencer ton pack de formation des super humains, c'est juste là ou le premier lien dans la description où tu peux rejoindre directement la communauté des super humains où je t'offre les 3 premiers jours. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre quand on est une femme, c'est que principalement, je pense, en tout cas, hein, d'expérience, que les femmes veulent toujours, ont toujours l'impression que leur méthode d'entraînement, les exercices vont être totalement différents des hommes. Et en fait, c'est pas du tout pareil. Enfin, c'est pas du tout, qu'on appelle ça, différent. C'est-à-dire que notre corps est pareil, on a plus ou moins les mêmes muscles. Forcément, il y a des muscles que vous voulez plus travailler, comme le bas du corps. Du coup, il faut vous dire que déjà, les exercices que vous voulez utiliser, bah forcément, vous pouvez utiliser les mêmes que les hommes. Après, forcément, les objectifs sont différents. Vous avez envie, principalement, vous, de muscler le bas du corps, donc vous allez passer plus de temps là-dessus et plus, on va dire, dessiner bah, les fessiers, travailler sur tous les angles pour avoir des fesses bien dessinées, ce qui semble normal. Et forcément, vous ne voulez pas avoir des pectoraux ou un énorme cage thoracique, en tout cas, pour avoir un peu ce corps tonique, etc. Donc du coup, comment vous allez devoir faire? Pour moi, c'est important de muscler sa poitrine parce que c'est ce qui va vous permettre de vous tenir droit, d'avoir principalement bah voilà, d'avoir des muscles au niveau de la poitrine pour les femmes qui ont des grosses poitrines, peut-être être un peu plus musclées, avoir moins mal au dos parce que bon, après, il n'y a pas que la poitrine, il y a aussi le dos, les abdos à muscler. Mais principalement pour être bien dans son corps, pour être tonique et pour pouvoir aussi progresser bah, au squat parce qu'on n'a pas l'air, mais on gagne aussi un maximum le haut du corps quand on fait du squat. Donc du coup, ce qu'il faudra faire, c'est choisir des exercices qui soient complets mais qui puissent muscler en même temps votre poitrine. Donc le premier exercice que vous serez obligé de faire, qui est un incontournable, qui va vous permettre de pouvoir muscler énormément votre poitrine et qui est l'exercice et c'est pas aka, hein, c'est qui est principalement le putain, le gars il fait de l'humour tellement pourri, l'exercice pour pouvoir muscler votre poitrine, c'est le développé couché. Pourquoi? Parce que le développé couché, donc principalement développé couché, vous allez simplement à mettre bien vos pieds au sol, serrer les omoplates, pas mettre les mains comme ça mais plus les mains comme ça et descendre pas trop bas, mais on va dire votre coude à hauteur de vos épaules et ensuite vous poussez jusqu'en haut sans taper. Donc ça, c'est pour l'aspect présentation de l'exercice. Pourquoi c'est intéressant cet exercice-là? Parce que déjà, de une, c'est l'exercice le plus complet pour pouvoir muscler votre poitrine et du coup, bah voilà, développer une poitrine assez musclée et c'est, on va dire, l'exercice numéro un que vous serez obligé de faire. Ensuite, cet exercice, c'est intéressant puisqu'il va vous permettre aussi dans la vie de tous les jours bah, d'avoir beaucoup plus de force quand vous poussez quelque chose. Donc du coup, je sais pas, une armoire ou un sac ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est un exercice du coup très complet musculairement, donc c'est-à-dire pour muscler votre poitrine, mais aussi qui va être hyper utile dans la vie de tous les jours. Donc il y a plein d'exercices comme ça qui va être intéressant d'utiliser. Par exemple, le soulevé de terre, bah, c'est intéressant pour prendre une charge au sol et bah, la remonter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre quelque chose au sol en ayant le dos comme ça. Mais quand tu fais du soulevé de terre, bah, au bout d'un moment, ça devient facile, ça devient instinctif, voilà, de prendre le poids comme ça et de plier les jambes. Bah, c'est la même chose pour soulever le développé couché. C'est important de faire cet exercice-là pour, de une, muscler votre poitrine, mais aussi dans la vie de tous les jours, bah, avoir, on va dire, de la force dans tout ce qui va être pousser quelque chose. Parce que la musculation, c'est ça, c'est que des exercices qui vont être utiles dans la vie de tous les jours. Donc, premier exercice que je vous conseille vivement, faire du développé couché. Donc, le développé couché, le plus classique, c'est de le faire sur un banc, banc droit et de faire votre développé couché comme ça. Donc ça, vous pouvez faire entre 8 à 15 répétitions, 3 à 4 séries, 1 minute 30 à 1 minute de temps de repos, voire 2 minutes. En fait, vous choisissez le temps de repos et on va dire aussi les répétitions
par rapport à votre objectif. Si vous voulez sécher, il faut raccourcir tout ça, enchaîner le plus rapidement possible. Donc faire 15 répétitions, 30 secondes, voire 1 minute de temps de repos et on réenchaîne. Et du coup, au niveau du cardio, bah, vous allez brûler beaucoup plus facilement. Si après, vous êtes ou tu es une femme qui veut développer un maximum sa masse musculaire, qui se trouve trop mince, etc., bah, concentre-toi sur de la vraie musculation en mode 8, 10, 12 répétitions, 2 minutes de temps de repos. Tu essaies de charger un maximum pour pouvoir développer ta masse musculaire. Ensuite, c'est pas très compliqué, hein, de toute façon, même en soi pour un homme, c'est qu'un homme il a beaucoup plus de... Car c'est un... Le muscle de la poitrine se voit beaucoup plus... C'est beaucoup plus important, t'as plein d'angles à travailler pour les hommes. Mais pour les femmes, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Faire du développé couché incliné. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, vous allez encore une fois travailler l'exercice un peu de pousser, mais sur un autre angle. Et du coup, bah ça va être hyper intéressant. Donc même chose, on serre les omoplates, on bombe le torse et on descend pas trop bas et on remonte comme ça pour bien sentir. Donc l'avantage en plus de cet exercice là, c'est que vous allez commencer un peu à mobiliser vos épaules et du coup, petite barre, et muscler du coup vos épaules, du coup ça va commencer à être intéressant. Et en fait, si vous voulez même faire un troisième exercice et faire que trois exercices pour pouvoir muscler votre poitrine, c'est pas plus compliqué, vous n'avez pas besoin d'en faire 36, je vais vous en présenter après, mais simplement de prendre par exemple un banc, de le surélever, bah là je pourrais pas avec un step comme ça, et faire du développé couché décliné, et du coup bah, vous allez travailler plus le bas de votre poitrine, même si en fait en soi ça va pas vraiment se voir, mais en fait ça va travailler d'autres angles, et du coup faire ces trois exercices là pour les femmes, c'est ce qui va vous permettre de développer, de muscler votre poitrine, mais aussi de travailler sur d'autres angles de pousser, comme pousser plus vers le bas, pousser plus comme ça ou pousser plus comme ça, et c'est ce qui va vous permettre de muscler votre poitrine, mais aussi bah, par exemple, si vous avez quelque chose à pousser, d'avoir beaucoup plus de force pour faire ça. Si vous avez quelque chose à pousser plus vers le bas, bah, c'est plus intéressant. Parce que la musculation, c'est ça qui va être intéressant, c'est se muscler, mais aussi l'utiliser dans la vie de tous les jours. Ensuite, un exercice, si vous voulez vraiment faire varier un petit peu, parce que je pense que trois fois du développé couché sur différents angles, ça peut être un peu chiant, c'est de faire un autre exercice qui peut être tout aussi intéressant, c'est faire du développé couché, prise serrée. Donc vous prenez les poids comme ça, vous les serrez. Donc les poids qui sont complètement ronds, c'est un peu plus chiant, il faut des poids un peu carrés. Et le but, ça va être de les serrer comme ça et de laisser tomber vos coudes comme ça et de les remonter comme ça. Et en fait, concrètement, c'est simplement faire les prises serrées. Donc tu serres les omoplates, tu descends le plus bas possible et tu remontes comme ça et tu gagnes bien, on va dire, en haut du mouvement. Comme ça. Et là, tu vas travailler encore un autre angle de poussée et du coup, tu vas pouvoir muscler ta poitrine. Donc, c'est vraiment, on va dire, le quatrième exercice qui va être hyper intéressant. Donc, au point de vue des répétitions, c'est comme tout à l'heure. Tu adaptes ça par rapport à ton objectif. Et on va dire, il y a un dernier exercice pour pouvoir travailler encore sur un autre angle, sur une autre prise et qui va pouvoir muscler ta poitrine, c'est de faire de l'écarté, mais pas de l'écarté comme tout le monde fait, qui est un peu débile. Soit tu peux faire de l'écarté à la poulie ici, tu sais, avec cette poulie-là, où tu vois tous les mecs faire comme ça. Mais moi, je pense que pour une femme, c'est hyper compliqué cet exercice-là parce que concrètement, vous n'avez pas des pectoraux. Donc ça, cet exercice-là, c'est beaucoup de sensations. On met du très léger, on veut simplement muscler un maximum ses pectoraux et les ressentir. Et du coup, pour vous, les femmes, en règle générale, vous n'avez pas des pectoraux qui ressortent et qui sont musclés. Donc vous n'allez pas vraiment sentir et ça ne va pas être hyper intéressant. Moi, ce que je pense qui peut être intéressant pour vous, c'est de prendre des poids, encore une fois, de mettre en prise neutre, donc prise neutre comme ça, et de laisser tomber vos coudes et de faire comme ça et de les remonter jusqu'en haut. Hop, hop, comme ça. Et en fait, concrètement, donc vous faites comme ça. Donc le but, c'est pas de laisser tomber les poids comme ça. Ça, c'est complètement idiot. Le but, c'est de laisser tomber ses coudes et de les rapprocher comme ça. Laisser tomber ses coudes. Donc vous voyez qu'en fait, ça fait un angle droit juste ici. Ça fait un angle droit comme ça pour ensuite les remonter comme ça. Et en fait, concrètement, ce qui est bien, c'est que du coup, vous allez muscler votre poitrine. Donc vous allez vraiment développer votre poitrine. Vous pouvez le faire à la maison. Pourquoi vous pouvez le faire à la maison ? Vous prenez des haltères. Et comme je le mets dans la méthode des super-humains, etc., tu peux prendre du matériel comme une Swiss ball où tu le fais directement. En fait, la Swiss ball, c'est ton banc de musculation concrètement. Et tu peux le faire à la maison. Et si tu le fais en salle, bah, tu le fais comme je viens de le faire là. Et en fait, concrètement, en tant que femme, tu auras développé ta poitrine parce que concrètement, tu vas le sentir. Il faut que j'arrête avec les concrètement. Mais tu vas pouvoir muscler cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là, un angle comme ça
et un angle comme ça. Donc en fait, tu auras vraiment musclé toutes les parties de la poitrine. Ça sert à rien de faire 150 000 exercices différents pour la poitrine pour une femme, mais tu auras vraiment travaillé tous les angles, travaillé ta force sur tous les mouvements de mobilité un petit peu. Et du coup, c'est hyper intéressant. Donc, tu peux faire cette séance-là, tu peux faire prendre trois exercices que je viens de te présenter là, en prendre deux ou trois, une autre séance, et de varier entre les deux. C'est-à-dire faire une semaine comme ça, une autre semaine comme ça, et après tu recommences. Et du coup, là, tu vas commencer à muscler véritablement ta poitrine. Ça va être utile pour pouvoir muscler et tonifier ton corps, mais aussi dans la vie de tous les jours, pouvoir l'utiliser, parce que c'est ça aussi la musculation. C'est comme prendre une barre de squat, c'est bien d'avoir des belles fesses, etc. et tout, mais quand tu l'utilises, par exemple, pour prendre quelque chose au sol, quand tu fais du développé militaire, et par exemple, tu prends quelque chose pour pouvoir le mettre au-dessus, bon, ils vont arrêter de parler. Hein. Et ils sont relous là, ils gueulent encore plus que moi. Du coup, ça va être utile dans la vie de tous les jours, et du coup, ça va être plus intéressant. Et du coup, t'es deux fois plus gagnante parce que tu te muscles, tu te tonifies, et en plus de ça, ça va être utile dans la vie de tous les jours. Voilà, j'espère que ce petit programme, ces petits exercices pour pouvoir muscler votre poitrine, ça va vous aider. Dans tous les cas, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commencer le pack de formation que je vous envoie via Facebook pour pouvoir devenir un super humain. Une femme du coup plus musclée, plus tonique, plus sèche, plus endurante, plus souple et surtout avec un mental qui vous permet d'atteindre l'impossible dans votre vie. C'est le but de la formation. Donc juste ici, et du coup on se retrouve demain. Donc là on est samedi je pense, donc du coup demain ça va être le live et on se retrouve même après dans le live ou même lundi, mardi, mercredi pour les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut.